Avant la guerre, ce village était rempli de familles et de rires. Le rire est le meilleur des remèdes. C'est pas une blague? Comment un agent de la CIA soigne une hernie? Comment? Salut tout le monde et bienvenue au jeu d'héros. On va continuer cette belle partie de Call of Duty Modern Warfare. L'autre fois, on s'est laissé où Suleiman a quitté l'ambassade. Ses amis, les terroristes, sont venus le chercher. Ils ont brisé la prison puis sont partis. Ils ont fait un trou carrément dans le mur. Alors, on doit aller chercher le loup, alias Suleiman, ou Suleiman plutôt alias le loup. On va s'embarquer dans une toute petite aventure sur Call of Duty, Modern Warfare. Les amis, let's go, let's get it on, people. Avec on va regarder les objectifs. Pas mal. Ok, pas parfait. Si drôle que je pensais. On doit suivre. Gardez tout ça à portée de main. Gardez tout ça, monsieur. C'est un Wolfa. Adir s'est placé en hauteur pour nous. Mon père surnommé Adir Chabal. Adir Chabal. Ok. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort au combat. Quat al-Qatal al-Khassa Admin, Sayyidati. Tiens-nous au courant. Alex, par ici. Adir nous attend. Je lui ai dit d'apporter tout ce qu'il avait. Alex. Oh, regarde ça. Le beau pistolet, my god. Transperce les blindages à 600 mètres. Je l'ai assemblé moi-même. Vas-y, prends-le. Oh, c'est à moi? Alright. Merci, mon ami. Wow. C'est un sacré fusil, mon frère. Protège-le de ta vie, et il te le rendra bien. Merci, Adir. Je vais observer pour toi. Regarde dans ta lunette. On est frères d'armes, maintenant. Rends-moi fier, Alex. Regarde dans ta lunette. Faut te préparer. Cherche la lumière qui scintille près de l'autoroute. Une lumière qui scintille au fond, ok. Tu vois ce reflet près de l'autoroute? Ah. Oui. Je vois. Maintenant, ajuste le zoom. Ok, commandant. Ouais, je le vois. Quelle différence. Ali, rejoins les autres. Oui, commandant. Suis-le. Et tu verras mon équipe en position près de la route. C'est bon, super. Je les vois. Ils nous aideront quand on lancera l'attaque. Aya, place une cible près du bus. On va se mettre à sniper, les amis. Parce que t'en es capable. Yes. Les encoches verticales, c'est pour ajuster la distance. Chaque encoche représente 200 mètres. Et toi à l'abri. On va tirer. La cible est à 400 mètres. Donc vise deux encoches au-dessus. Vise deux encoches au-dessus du bidon d'eau. Ok, c'est bon. Raté. Ne laisse pas impressionner par le fusil, Alex. Encore raté. Vise deux encoches au-dessus du bidon vert et une encoche sur la gauche. Ok. Touché. Ok, je comprends. Là. Mon frère, c'est ton plus grand fan. On va essayer une autre cible, à une autre distance. Il y a une maison bleue dans le fond, tu la vois? C'est une maison bleue à un étage, à l'ouest. Une maison bleue à l'ouest. Je vois la maison bleue. Il y a un fruit sur la glacière, distance 600 mètres. Fais feu quand t'es prêt. Vise plus haut, sur la droite. Vise plus haut, sur la droite. Je pense que c'est bon comme ça. Et j'ai... voilà. Waouh, il est impitoyable avec les fruits. J'ai entendu ça. Yawem, concentrez-vous un peu les garçons. Bon, t'as compris le principe. Oublie pas, utilise l'environnement à ton avantage. Les drapeaux t'indiquent la direction du vent et les bâtiments te renseignent sur la distance. C'est compris. Surveille l'autoroute. Il devrait plus trop tarder. Ok.
On va s'amuser avec ce beau sniper là. Bon, qu'est-ce que ça donne? On doit surveiller l'autoroute. Pendu une embuscade au loup. L'objectif. J'ai repéré quelque chose. Près de la pompe à pétrole. Près de la pompe à pétrole. À pétrole, je veux dire. Ah, je vois. C'est rien, juste des chiens. Continue de surveiller la route. Le loup sera bientôt là. Le véhicule en approche par l'est! Bien reçu. N'attaquez pas. Ils ont repéré un véhicule, côté droit. On dirait qu'on a enfin de la compagnie. Mais ça n'a pas l'air d'être le loup. C'est des éclaireurs. Tire pas. Attends d'avoir un bon angle. Ali, tu les vois? Sur le toit. Regarde le toit, Alex. Ah, ok. Deux, sur le toit. C'est bon, je les vois. 400 mètres. Fais feu quand t'es prêt. Ok, je suis prêt. Quel vent. Vas-y, Alex, maintenant. Oh, touché. En pleine tête. Oh, les amis! Deux hommes du loup en moins. Allez, tu peux y aller. Adir a de la ressource. Son équipe est en train de placer un piège pour les hommes du loup. Alex, couvre l'équipe qui piège le camion. Même si on tue le loup, rien ne dit qu'on mettra la main sur le gaz volé. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passera si tu le trouves pas? C'est pas envisageable. Je vais charger, hein. C'est important. Ils mettent un bon piège. Sûrement une bombe. Bien. Maintenant, mettez-vous à couvert et attendez le signal. Les hommes du loup vont devoir déplacer le pick-up pour passer. Attends qu'il soit tout prêt. Puis fais-le sauter. Va faire sauter le camion. Coudin, je vois le convoi à l'est. Bien compris. C'est le moment de vérité. Soyez fort, cousin. Les soldats du loup sont là, Alex. Sur la droite de l'autoroute. Trois véhicules d'Alcatala. Je les vois. Attends qu'ils soient à portée pour tirer. J'attaque? Non. On les laisse s'approcher. Encore un peu. Allez, soyez pas timide. Ils le voient. Ils avancent vers le véhicule. Adir. Je les regarde. Tiens-toi prêt, Alex. Fais exploser le véhicule, Alex. On attaque ! Ouvrez le feu ! Ils sont à droite du... Bien joué, Alex. Ah, merde. Wouhou ! Explose tout ça. Ouais. Oh. Ils s'abritent dans les bâtiments. Bien joué. Surveillez les fenêtres. My God, ça shoot vraiment bien ça. Bien joué.
Pacteur 20. Le loup envoie des renforts. Il y a des renforts en plus. Ils n'ont pas encore Allez, compris. Appelle ton équipe. On te prépare reculer. Fais-le. Allez, replie-toi, reste pas là. Tire dans les moteurs. Il faut les arrêter. Vise les moteurs, Alex. Tire les moteurs. Ou les conducteurs. Merde! Alex, descends-les! Il est où? Surveille le flash quand il tire. Le flash, le flash, le flash. Surveille le flash, la petite lumière. Il est où? Ah ah! J'ai un visuel. Oh! Ils sont morts! Alex, une autre équipe de mortiers d'Alcatala. À bas là. Il y en a un autre quelque part. En où? Maison bleue. Ah. Les coquins. Oh, en pleine tête. C'est bon. Ah merde. Négatif. Il reste un mortier actif. J'ai pas de visuel. Vous êtes où, les amis? Vous êtes où? Alex. J'ai du mouvement près de la maison bleue. Mouvement près de la maison bleue. Je les ai. Qui est neutralisé. Un véhicule piégé à gauche. Gauche. Arrête ce pick-up, Alex. Arrête ce pick-up, Alex. Ben oui. T'as une minute, tire là. Tire sur le pick-up, tout de suite. Il est où, le pick-up? Vise le conducteur. Il doit être blindé, plein de bombes, sûrement, là. On l'a arrêté. C'était moi une. Bien joué, Alex. Le loup doit être en chemin. Sinon, ils auraient pas envoyé ses forces faire le ménage. Commence à placer des EI. Adir et moi, nous allons renforcer le périmètre. Alex, oh, fonce au bunker tout à l'est monde, par et contre. Fais plein de munitions pour le loup. Revitaillez-vous. Ok. Je me revitaille. Oh, oh, nice. Wow, ok. Vraiment cool. On va attaquer. Garde le fusil avec toi, Alex. On va attaquer à longue distance. Attends, je garde le fusil avec moi, merde, mais tu me l'as pas dit. À cette distance, le fusil d'Adir sera plus efficace. Encore des explosifs à dire? Et pourquoi pas? Comme tout à l'heure, l'ennemi approche, on le fait sauter. Garde tes distances. Alex, le capitaine Price appelle à la radio. Il dit que c'est urgent. Ok. Captain Price m'appelle.
Allez-y. Leader, ici Echo 3-1. Alex, le loup a quitté la ville. Viens dans votre direction. On est en route. Sniper ! Un couvert ! Leader, on attaque l'ennemi. Restez planqués ! Il faut pas qu'il vous voie. Bien reçu. On arrive. Un couvert ! Les coups de feu venaient de l'autoroute. Autoroute. Descends-le, vite ! Alex, trouve le sniper. À couvert. Sa lunette, je le vois. Je l'ai. Cherche quelque chose qui brille. Le vent a changé. Le vent est bien plus fort. Tu vas devoir ajuster. Quatre encoches sur la gauche. Je le cherche. Il change de position. Le vent a changé. Ok. Cherche quelque chose qui brille, ce sera sa lunette. Cherche quelque chose qui brille, évidemment, je sais. Oh merde! Les lunettes des fusils réfléchissent la lumière. Cherche quelque chose qui brille. Sa lunette réfléchit la lumière. Cherche quelque chose qui brille. Change de position. Change de position, les. On va la voir, on va la voir. Patience. Il change de position. Ah oui, je sais que. Oh merde. Il change de position. Il peut pas aller trop loin. Il change de position. Et voilà. Bien joué, Alex. Alcatala se regroupe de l'autre côté de l'autoroute. C'est peut-être lui. Et merde. C'est à 600 mètres, Alex. Élimine-les. Les équipes de... Ok. Mortier. Oh! Ah, ok, je les vois là. Hey, merde! Yes! Vive l'aviation! De l'aide, enfin! L'armée de Barkov sera bientôt là! Para à gauche! Je vois une fumée blanche! Alex, essaie de les arrêter! Des tanks? Putain, c'est tough là, tirer ça. Oh! Qui avance.
sont pleins. C'était où? Je les ai même pas vus. D'autres là. Ils sont derrière moi. Là derrière nous. J'arrive. Mon camion est plein d'explosifs. Des explosifs très puissants. On va s'en servir. Ouvre le haillon, allez vite. Je vais nous couvrir. Le haillon, Alex. Le gaz russe. Ouais. Maintenant, on va le renvoyer au... C'est pas un bunker bénéfique. Qu'est-ce qu'il veut faire? Adi, c'est quoi ça? La bombe. Voilà ce que c'est. Quoi? Le gaz, ils peuvent pas servir. Nous aussi. Vite, Farah, à l'abri. Ok, puis je mets un masque, moi, je posais, là. Pas de masque? Pourquoi il a fait exploser ça, lui? C'est des armes chimiques? Ça... T'approche pas de moi! Comment t'as pu faire ça? On n'avait pas le choix, frère. On a une chance, maintenant. Non, pas comme ça. Farah! Alex! Écoute-moi. J'ai volé le gaz aux Russes. Pour nous aider. Juste pour nous aider. Dis-le à Farah. Dis-lui, Alex. Ah ben? Vingt ans plus tôt.
Hein? Qu'est-ce qui s'est passé 20 ans plus tôt? J'ai encore... J'avais 20 ans. Ok, ouh là là. Okay. Ok, faut tasser les briques. Ok, c'est bon. Allez m'assurer qu'on craint rien. Reste derrière moi. D'accord, papa. Fais ce que je te dis et tout se passera bien. On va suivre. Allons-y. De papa. Par ici. On y va, chérie. Suis-moi. Les amis. Fais attention, fais pas de plus. Juste un moment. Suis-moi, t'es courageuse, tu sais. Ouvre la bouche, Farah. Ne respire pas, c'est du poison. Dépêche-toi, Farah, on est à la maison. Farah, le gaz va nous tuer, entre vite. Adir. Adir. Papa, t'as une bombe. J'ai fermé les fenêtres, comme t'avais dit. C'est bien, ça nous protégera un peu du gaz. Suivez-moi dans la cuisine, tous les deux. Où est maman? Maman ne viendra pas. Désolé, mon garçon. Pourquoi ils font ça, papa? Ils pensent qu'on aide les rebelles. Tiens, prends le masque, d'accord? Farah, elle sien aussi? Tu gardes le tien. Je vais aider ta sœur. Viens. Les téléphones. Si jamais on est séparés. Ok, on va franchir le pont et se mettre à l'abri dans les montagnes. Venez. Et s'ils nous attrapent, papa? Ils vont vous emmener et vous enfermer. Je veux pas partir. Ok. Écoute, je sais. Je te le promets, on reviendra. Adir, faut que tu sois courageux pour ta petite sœur, d'accord? Pense à ta maman. Et surtout, sois futé. Voilà, c'est ça la survie. Tu m'as compris? Oui, papa. Écoutez, quand on sera dehors, suivez-moi bien, ok? Non, papa!
papa! Adi, vite derrière moi! Non. Il n'y a personne. C'est seulement mes enfants, pitié! Oh mon god. On va te frapper, Dylan. Cachez-vous, évitez les soldats. Ah, il faut se cacher. Ok. Aïe aïe. J'avais dit que je te retrouverais. Voilà. Et tiens, quand j'essaie de me tuer. Salope. Les gars, frappe-le, Tara. Yes. Oh my god. Oh my god. C'est malade, les amis. Une extrême violence. N'aie pas peur, on est ensemble. Ok, on va voir s'il a quelque chose. Son masque, Farah. Voilà. Suis-moi. Papa ? Chérie. Il faut que tu te relèves. Je dois vous laisser. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut survivre. Survivre à tout prix. Non, non, c'est jamais. En silence. Attends, il y a des soldats. Marque en proche et tu tires en tir. Ils sont en train de liquider tout le monde, les amis. Tout le monde. On a frappé au foyer. Вы не отвечаете. Как вы его упустили? По размерам с тачку. Возьми двоих, прочешли район. Начни с этого дома. Как, командир? Удержи, пропал полиция. Стоим здесь, пока не найдем. Reste avec moi.
меньше. Что? Вряд ли что-то знает. Тихо. Сюда идет Виктор. Прочесать местность. Сопротивление. Ничего сложного. Женщины, дети. Идут в машину. Полный комплект. Это все? Это Т-5. Задание выполнено. Готовы как лодка. Подожди. Живем к нему, когда рефлексы с ним. Ok, je pense que je dois l'attendre aussi. Récupérer le revolver. C'est un calibre 44. Ce sera pas évident, ça. Ça te poinçonne direct, ce truc. Paris? J'ai besoin de l'arme. Entendu? À voir. Tu crois que c'était quoi? Je sais pas. Une bête? Ça faisait pas le bruit d'une bête. Ça pourrait être un grillon? On est en pleine journée. Les grillons, c'est la nuit. Ah, peut-être qu'ils sont devenus cons à cause du gaz. Peut-être que c'est toi qui es devenu con, si t'imagines que c'est des grillons. Tuer les soldats. Ça vient de là-bas. On y va. Pleine tête. Faut qu'on parte d'ici. Faut qu'on parte d'ici. Je conduis. Chape-le.
Alors c'est vous les deux diablotins qui tuent mes soldats. Parfait. Et voilà les amis, cet épisode se termine comme ça. Waouh, incroyable. Incroyable les amis. Vraiment, c'est un beau flashback. Excellent. On va pas être sur une touche, je pense, pour continuer. Ce sera pas long. On va essayer de compléter cette fin de chapitre. Il y a Alex qui se réveille. Bougez pas, je vais vous aider. Oh my god. Où il est ? Stop! Adir! Stop! Où est-ce que t'es parti? Adir est parti. C'était Adir. Il a volé le gaz. Désolé, capitaine, je savais pas. Tu n'as rien à te reprocher. T'en fais pas, Farah. On le retrouvera. On doit se tirer d'ici. Vite! Extraordinaire, les amis. Vraiment, la réalité, elle était très, très, très proche. J'ai même eu des frissons. Il a perdu son père et sa mère. Maintenant, il n'en suit plus aucune. Adir est au nord. Il s'est fait prendre par des combattants d'Al-Qatala. Volontairement ou de force? On ne sait pas. Désolé, Farah. Votre frère est un terroriste. Est un agent américain qui est avec ou aux mains des terroristes. Adir n'a rien contre nous. Il aurait pu tuer tout le monde quand il a volé le gaz, mais il n'en a rien fait. Comment tu le sais? J'y étais, pour l'arrêter. Pourquoi tu m'as rien dit? On pensait que c'était Al-Qatala. On savait pas que c'était lui. Plus maintenant. On va le chercher ce soir. Je viens avec vous. Vous traqueriez votre propre frère? Il n'est plus mon frère. Plus maintenant. Barkov va mettre sa tête à prix. Faut qu'on l'attrape avant lui. Une seule complication, et c'est la guerre avec les Russes. Suffit de rien compliquer. C'est pas une bonne idée, Farah. On s'occupe des nôtres ici. En général, ça veut dire l'inverse. Pas ici. Je veux Farah avec moi. Pas de discussion. Soit. Vous êtes autorisés à tuer. Chacun de vous. Ok, je vous prie. Nos images confirment qu'Adir était en possession de ce qu'il restait du gaz volé quand il a pris contact avec l'agent le plus brutal d'Al-Qatala, le boucher. Nos éclaireurs ont suivi leur véhicule jusqu'à un complexe dans les monts Akrus, qui pourrait être la base du loup. Alex et Farah resteront dans les airs en surveillance. Et Bravo 6 mènera l'assaut pour localiser les agents chimiques, récupérer Adir et tuer le loup. On est dans la zone. On va choper ce connard. Extraordinaire. Leader à 3-1. On va finir avec cette cinématique. Bien sûr, leader. On attend. Oh les amis, ça va être super beau, ça promet pour le prochain épisode, soyez-y. Je crois que ça va être l'épisode numéro 15 ou 16, je ne m'en souviens plus très bien. Ça va frapper fort les amis, soyez-y, et moi je vous dis à la prochaine. Alors, ciao bye les joueurs, ciao bye les joueuses. On va finir avec ça.